Ok, messieurs, dames, je vais aller connecter ma manette. Attendez, c'est marrant un peu ça, non? Attendez, ça doit être trop chiant, mais en même temps... Ah, j'hésite. Merci beaucoup, radio, Super Mad Joker, pour le 9e WhatsApp. Merci à toi, merci beaucoup. Ça sent la... Oui, mais je suis connecté, je suis là. J'ai plus de batterie? Oh bah super. Oh bah c'est super, hein. Super. Comment ça, j'ai plus de batterie? Fuck you, you. Pagueta gabou, pou. Fuck me, fuck you. Ta da da da. Fuck you. Bah elle est là ma manette On fait détection de mouvement ou pas? Merci Farrell pour le prime. Ok. Ok Ethan, où c'est fort? Le POV le vent. Oh merde, attendez, ça regrésille de nouveau. Pourquoi ça grésillait pas Erika hier et là ça grésille? Oh non! Pourquoi certains jeux ça grésillait pas d'autres? En vrai ça a l'air d'aller. Je crois que c'était juste trop fort. Bon, j'ai mis la détection de mouvement hein. Ça va être ouf. Pas de détection de mouvement, c'est chiant. Ah ouais? Ah ouais? Vraiment? C'est relou? Non mais là c'est bon, ça fonctionne hein. Eh, on essaye. Je peux le changer après, je pense. Ouais, je peux le changer après. Ah non, en vrai, pour combattre et tout. Allez, moi j'aime vivre dangereusement. Sous-titres. Oui, s'il vous plaît. C'est parti. Le battement d'ailes d'un minuscule papillon aujourd'hui peut créer un ouragan dévastateur des semaines plus tard. En vrai, pas tant, mais bref. Erreur réseau. Super. On va essayer de garder tout le monde en vie. Hein. On a réussi quasiment sur The Quarry, on s'en est bien sorti, franchement. La plus petite issue, on peut changer le futur d'une façon radicale. Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. Je suis très heureuse d'avoir peur des papillons actuellement. Le fameux dicton erreur réseau. Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Choisissez scrupuleusement vos actions. Ça dépend du temps ou pas? Ça dit quoi? Ça dit faire, je pense. Jeu de 2015, messieurs, dames. Attendez, on a... Attendez, j'ai pas de quoi enlever la cam. Pause. Pause. Il faut que j'enlève la cam si je veux, non? Ah ouais, super. Attendez. Parce que quand même... Après, vous savez que c'est dangereux. Quand je fais ça, je mets plus de cam quasiment. Pourquoi? Ouais. Et normalement? Et le cadre? Attendez. Non mais j'ai tout changé, c'est ça? Si je vais là et que je fais ça... Ok. Et on met juste une petite transition là. Un petit fondu pour que ce soit propre. Transition à l'affichage fondu. Hop là.
Lisa disparaît. Vous soyez immergé là. C'est immersif ou quoi? On est immergé, vous êtes immergé. C'est pas vrai. J'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Quelle plaisir. Protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Mike, c'est mon mec. C'est ça, t'as raison, chérie. Mais attends, tout le monde est sur Mike, mais Mike, c'est le mec de meuf? J'ai pas compris. J'ai pas compris le reste de l'histoire, là. Anna! C'est l'actrice de Heroes! C'est clair! C'est clair, non? Limpide. Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Ils sont tellement pas naturels, il se passe quoi là? Ça va Ken Force, c'est quoi? J'ai rien compris. Mike, c'est mon mec. Vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh? Je joue, je crois. Josh! Alors nous, ça c'est qui? C'est Anna? C'est Beth. Josh? Mike? Quelqu'un? Ça va? Oh, je vois rien. Maintenant R2. Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Ok. J'ai compris comment ça marchait. Attends, je peux pas montrer la luminosité? Rien. Ah oui, je le voyais même pas du tout, le logo. Ah, voilà, là on voit quelque chose. Anna, t'as l'air trop baisée ou quoi? J'ai pas lu. Putain. Notre merdier, notre sœur, c'est encore foutu. J'ai pas lu. Non, mais non! J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Ah, c'est... Ok, retour en arrière. Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais, se ploter et voir où ça nous mène. J'ai envie de mourir. Oh, quoi? Okay. J'ai envie de mourir. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Oh, putain, c'est pas vrai. Oh non, ils l'ont piégé! Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Nah. Attendez, mais ils sont potes? C'est des amis? C'est des amis, cette équipe? Ils sont censés être potes? Oui? Mais c'est pas... Tu dégages direct si on te fait un truc pareil! Oh là là, non... Anna. Désolée Anna, c'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Ah, trop marrant votre blague. Il filme en plus. Vous êtes tous trop cons, vous le savez. T'étais sous le lit, connasse. Oh, je vais m'énerver. Oh, je vais m'énerver, mais direct. Ok, ça va pas bien se passer. Anna. Anna banana.
rejoins, je rejoins, je rejoins. Eh, il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? Oh, c'est bon. C'est pas elle sous le lit ? Oh non, mais ils se ressemblent tous. Alors attendez, c'était pas Claire sous le lit ? Elle venait de rentrer. C'était Jess. Attendez, il faut que je prenne un petit plan de qui est qui, là. Ça va pas le faire, sinon. Ah non, je vais me faire spoiler des trucs. Ok, non, je vais pas faire ça. Bon, bah... Non, mais je vais apprendre. Une blague, Anna. Trop marrant, ça. Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons. Voilà, dis-leur. Anna. Du coup, on va peut-être la chercher. Ok, on déteste Mike. À mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde. Ok, ça, je peux m'en sortir. Non, prenons, prenons, mais là, ça va. Oh, c'est trop chiant, les mouvements. Monsieur, dame, on enlève tout de suite la détection de mouvement. Je peux vous dire que c'est insupportable. Oh, je peux pas faire. Bon, je ferai plus tard. Ouf. Bah non, tu suis pas, tu suis pas. Ça va, Lynn? Ah. Franchement, on peut être potes, hein. Ah ouais. Merde. Oh putain. Putain, Anna. Mais t'es où? Ils ont pas des téléphones 2015? Ah! Comment ça tu utilises... Mais... C'était pour la lampe de poche. Mais appelle ta pote! Pas de réseau, bah elle sait pas, on l'a pas essayé. Essaye au moins. Je vais utiliser mon iPhone pour me réchauffer maintenant. Comment vous voulez que je sache? On n'est pas encore au courant. Je sais que vous êtes trop des petits, vous y connaissez à fond, machin, vous êtes trop chaud. Moi, je suis pas au courant dans le jeu là. Donc, hein? Mon cul! J'adore les cerfs. Mais elle, hein, c'est ça? Elle marche plus vite là? Oui. Ça, ça marche plus vite, ça? Ah oui. On va estimer que le personnage n'a pas vu ce que je viens de voir. Parce que sinon... sinon elle est très tranquille quoi. Avec le pull gris qui se tape le dos, j'ai quasiment rien vu en vrai. Imaginez, je tue tout le monde d'un coup là, faut que je fasse gaffe. Oui, les numéros d'urgence, n'hésitez pas à, de toute façon, essayez. Hein. Merde, c'était quoi? Ah oui, c'est sûr que... C'est étonnant, quoi. Des flammes dans une forêt. Anna. Anna. Oui. Mais elle va mourir de froid. Anna. Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide.
Mais non, c'est tes potes qui sont des connards là. Anna, Bess. Il va falloir courir là. Bonjour, vous m'entendez ? Ou pas ? Oui. Ok, bah il n'y avait aucune raison. Parce que ça me disait que j'avais du son. Mais vous inquiétez pas, et c'est vrai que j'avoue que là, vous avez quand même tous hurlé pas de son pendant 5 minutes, alors que j'avais écrit dans le chat que j'avais vu. Hein. Après, comme vous voulez, hein, mais pour le coup, vous êtes chaud. Merci de vous pour le 13e mois de sub, merci beaucoup. Ah bah elles sont mortes hein. Ah non. Laquelle meurt? Tiens bon. Ah je sais pas comment faire là. Bah non C'était logique. C'était logique parce que si tu... C'était logique. De toute façon... Soit on meurt, soit deux. Bah... Moi je pense que c'était obligatoire qu'elle meure. Pas sûr. Bon, écoutez, c'est en fait deux de moins à gérer. Ça commence bien. Mais en vrai, c'était logique, genre j'avais pas lâché. Avant de commencer, il y a quelques... En fait, soit je lâchais les deux, elle mourait les deux. Mais... Bon. Que j'aimerais clarifier avec vous. Oh bonjour, c'est notre psy. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Ouais, voilà, c'était l'origine story. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir... Oh, autant qu'elle soit acceptée, hein, franchement, elles sont bêtes. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Moi, je pense que c'était... Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Oui, c'est un bon acteur, lui. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. Avec grand plaisir, mon très cher. Dr. Hell. Je vais vous aider à... Dr. Colin. Monsieur Dr. Colin. Parfois, ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice. Allez, j'ai toujours été une bonne élève. Veuillez prendre la cape. Excusez-moi, je fais une pause. Mais je me suis rendu compte à quel point je suis une connasse. Quand j'ai recommencé le permis. À quel point je veux être une bonne élève, quoi. Genre, je suis vraiment, j'arrive, je... Alors oui, j'ai bien relu les notes de la semaine passée. Alors, j'ai bien compris pour le débrayage et l'embrayage. Je vais bien, vous allez bien m'expliquer, puis je vais bien suivre, ça va être super. Je suis une connasse. J'ai un problème. Je veux être la meilleure. C'est pas que je veux être une bonne élève, je veux être la meilleure. C'est insupportable. Bref. Et regardez l'image de l'autre côté. Je suis un peu genre... Du coup, vos élèves, d'habitude, ils vont à quelle vitesse ? Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Pardon, je t'écoute, Dr. Colin. Comment ça ? Ok.
Je sais pas, ça marchait pas. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Plutôt du malaise, hein, pour être honnête. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise? Bah, les épouvantails, ça fait peur. Vous? Je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Dans la campagne? Une semaine, par exemple? Oui? Attends, il y a la fibre ou pas? Non mais oui, hein. Et si je vous disais que cette maison est hantée? Oh oui, j'ai aucun problème. Ainsi, l'épouvantail vous effraie. Et pourtant, vous ne semblez pas dérangé par la possibilité de l'existence. Mais parce qu'en fait, non, justement, j'y crois pas, donc je m'en fous. T'as pas du tout bien... J'ai l'impression... Il est nul! Justement pas, je m'en fous, tu me dis que t'es hanté, moi je dis ta mère c'est pas hanté. Il est nul! Ou que quelqu'un n'a pas été tout à fait franc avec moi. Quoi? La session est terminée. Mais c'est le pire psy. Nous poursuivrons dans cette direction là. Ah non, 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 vous avez un mauvais psy, les gens, vous dégagez, vous lui dites excusez-moi, je pense qu'on se correspond pas. Vous venez d'analyser un truc chez moi qui est pas du tout ce que j'ai dit et ensuite vous me laissez pas un droit de réponse. Écoutez, je pense que vous êtes peut-être un bon psy, mais vous êtes pas le bon psy pour moi. Je vais chercher ailleurs, je pense que même vous vous sentez que en fait on se correspond peut-être pas et que c'est très important, vous le savez en tant que psy. Bisous doux. Faites ça. Hein. Franchement. Ah, let's go. Anniversaire du terrible drame qui a eu lieu bah sur oui, le Washington. Bah oui, je savais qu'elles allaient mourir de toute manière. Juste, c'était une mauvaise sœur. Bon, bref. De la situation des malheureuses jumelles disparues. Bah oui, bah oui. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons. Oh, c'est l'heure du péril. Dites bonjour. Il y a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Ah, pas du tout. Mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction. Pas bonjour. Il disait que cette terre était sacrée. Je suis l'histoire, pardon. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Oh, Claire Bennett. Claire Bennett is in the place, monsieur Dar. Merci d'être venu nous voir. Claire Bennett, je suis censé les films qui regardent les films. À l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. C'est Mister Robot ou quoi? Le Mister Robot qui est in the place. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Hey. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de
de retrouver tous mes... Freddy Mercury, courant, viens chez nous, une petite chanson. Mama, ouh, I just killed a man. Prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé. Je tiens à dire une chose. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici. C'est mort, vous lui avez foutu un poil. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. Il était là, lui ? De partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Non, c'est Nexo, lui, Timothy. Il était bourré, c'était celui qui dormait, Joshi. Joshi. Comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée. Moi, je suis pas sûre qu'elle serait contente de vous retrouver, hein. J'avoue. Vous êtes un peu, elles sont un peu mortes à cause de vous. Ça va, Claire ? Qu'est-ce qu'elle est belle, Claire Bennett. Regardez-la, là, elle est trop belle. Si ça vous aide, fermez la fenêtre Twitch, c'est mardi. L'épine, Blackwood! Vive l'épine! Jusqu'à l'eau, j'avais pas lu, pardon. Claire Bennett. Ok, Claire Bennett, tu vas survivre. Je le dis. Yes, ça commence bien. Mets des gants, ma pauvre. Oh, c'est Sam. Appliquée, bienveillante et audacieuse. Trop cool, les présentations. Ok, comme ça, je vais pouvoir retenir et vous arrêterez de me dire « Ah non, c'est Josh, en fait. » Alors qu'en vrai, bah, comment vous voulez que je sache? Je viens de commencer. Let's go. Eh oh! La tribu de Manon. Y'a quelqu'un? Dans le foin? Pardon. Oui, bah la cam, elle a l'air pas mal là en vrai. Attends, je vais voir s'il n'y a pas des totems ou des trucs. Ouais non, hein, c'est juste ça là. Ah, la cam, pardon. Oh mais putain. Le portail est cassé, crème par-dessus. Merci beaucoup Croco, sympa pour le deuxième mois de semaine. Merci beaucoup. Mais non, bah attends, c'est ultra dangereux. Bah t'essayes quand même, allez, pour la forme. On va faire le tour, on va pas grimper par-dessus. Non, on va faire le tour par là, hein. Ouais, voilà. Non, parce que les pics. On a déjà entendu trop d'histoires comme ça, mes parents, ils me l'ont raconté tous les ondes. Prudent. Eh, on survit ou quoi? En plus, c'est enneigé, là. Sauter. Genre, elle est grimpeuse. Si elle est grimpeuse, peut-être, mais sinon... Merci Wish You Were Pizza pour le deuxième mois de sem, merci beaucoup. Mais mets-toi pas debout. Qui fait ça? Oh, ça m'agace. Oh, ça m'agace. Debout. Oh.
Salut, petit gars. T'as faim? Je bouge pas. J'ose pas respirer quand il y a ça. Objectif, dirigez-vous vers la station de téléphérique. Ah, puis on a tous les affinités et tout, ok. Pardon. J'ai loupé dans la tête. Quand ça arrive, c'est la merde. La population des gènes et les propriétés des papillons, les tribus qui vivaient autrefois dans ce montagne pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prophéties des possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de ces prophéties. Mort ! Le papillon noir annonçait la mort de la personne en train de rêver. Ah ! Danger ! Le papillon rouge prévenait de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie ! Le papillon marron prédisait une tragédie touchant des amis. Conseil ! Les papillons jaunes offraient des visions pour aider à guider. Chance ! Les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bon augure. Ok, on va espérer avoir des papillons blancs, principalement. Cool l'Indien là, oui, c'est vraiment ça, genre. Super! Oh non. Ah, et du coup, on saura quel papillon coloré c'est. Ok. Ok. J'ai pas vu de papillon du tout, à aucun moment. On avait un pigeon, on avait un corbeau. Mais du coup, là, je peux le revoir. Ah, ok, c'était noir. Non. Ça, c'était noir. Ouais. Et ça, c'était jaune, conseil. Suivez le corbeau. Est-ce qu'il n'y a pas un autre totem là-bas? Attendez, je vais voir. Il y a du totem, ouais. Moi aussi. Waouh, des graffitis à cette hauteur. Waouh, le passé est hors de notre portée. Incroyable. Chris, est-ce que t'es là? Ton sac à dos, tiens. T'es pas dans le sac, quand même. Trop marrant, ça. Eh ben, regardez-moi ça. Oui, fouine. Bah oui, là. Ah ah ! Mais qui voilà ? C'est Ashley. Salut, fouineuse. Oh. Bah oui, j'ai fouiné. Chris. C'est où t'étais ? Il a le béguin pour Ashley. Ashley qui lui a envoyé un message. Méthodique, protecteur et comique. Ok, il aime bien Ashley, mais on sait pas que c'est. Tu m'as fait peur. Attends voir. T'es pas mon assistante? Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. Ça va. T'étais tout seul. Merci Gaïalus pour le 32e mois de sub. Merci beaucoup. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Oh bah. Hop là. Mon sac est fait. Tada! C'est un son de tir? Ouais! Quand même, t'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Merci beaucoup, Insanich, pour le 4e mois de sub. Merci beaucoup. Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Croquette. Tu veux essayer? Non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Il a tué un truc sans faire exprès, là.
Ah non, on va juste apprendre. C'est bon, c'est juste un tuto. Alors, le tuto au tir, ça serait pas mal de le bien, bien réussir. Ah ouais, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'on a la manette, quoi. Oh, y a des... il va y avoir des morts à cause de ça. Je vous le dis. Hein. Bah non. C'est un oiseau? Non, c'est pas un oiseau. Waouh, joli tir, Cobalt. Tire. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Il croit, je vais tirer, genre. Allez, ça dégage. Joli tir. Et regarde-moi ça. Genre, vraiment, ils ont cru que ça allait faire ça. Genre, ça m'amuse. Ah oui. Mais je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. C'est le choix, bah, j'espère bien, sinon je quitte le jeu. Avec moi, il sourit. Ouais, pour le coup, ça, je pense que personne n'a douté de cette décision que je viens de prendre. Jones. 1000 grammes, Victor. Masculin, 1m88. Vu pour la dernière fois. Recherche pour un incendie criminel au premier degré, ainsi que pour diverses menaces de mort. Toute personne en possession d'informations. Ok. Merci beaucoup, Vota Corsa, pour les 27e mois de merci, merci beaucoup. Le bruit de neige, il est cool. J'aime bien. Y'a pas un petit totem, là? Dis donc, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Mais ils sont bêtes de revenir, genre, enfin... Ah non. C'est bizarre, ça, genre. C'est bizarre. Elle est fermée. Comme elle dit, hein, Claire. Josh voulait qu'on la laisse fermer, pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Bah, après, tout ce qui va leur arriver, je pense que c'est un peu mérité. Hein. Pour être honnête. Après toi. Oh, un vrai gentleman. Bah, je sais que vous avez tous vos femmes, vous aimez Sam et tout. Je sais pas, je les connais pas encore, s'il vous plaît. Pourquoi il y a une grossette de son gros plan de sa tête, là? Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Hôtel Sanatorium pour un esprit et un corps sain. Ok. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plat aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Je vais bien prendre s'il y a des médocs, des trucs, on sait jamais, non? Quoi, y'a eu quelque chose? J'ai pas vu. Je vais te revoir, attendez. En fait, c'est bizarre que ça ait changé de plan. Ouais, c'est sur une baignoire. Bizarre d'ailleurs que ce soit sur une baignoire, je... Enfin, on y va? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Allez, on prend les œufs. Un mot balle de promo. Dans un petit œuf et ça part. Et là, SSX Tricky. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, c'était une bonne idée.
J'espère que les autres le pensent. Ça va rider de la pas ou quoi? Sur le niveau de la neige. Cool de parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ah oh ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Oh super! Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et? Bah, j'ai dû aller au fond. Et? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. C'est Stico pour le prime! Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint... Soutien-gorge en CE2? Oh, vous savez, la puberté, ça peut être très rapide, hein! Soutien-gorge avait dépassé de son décolleté. Franchement, CE2, hein, c'est quelle année? T'as quel âge? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. 8 ans. L'effet papillon. Ah oui, non, il parlait d'une prof, peut-être. Ah oui, non, sinon, c'est étonnant, effectivement. Alors Jess, qui nous fait peur, Assure est la nouvelle copine de Mike, naïve et genre son trait de personnalité, c'est que c'est la nouvelle copine de Mike? Naïve et irrévérencieuse. Ça veut dire quoi, irrévérencieuse? Ça veut dire quoi? Je sais même pas. Irrévérencieux. Ça arrive, c'est précoce, ça arrive. Ouais, 8 ans, c'est quand même vraiment précoce pour le coup. Qui ne respecte pas l'autorité, arrogant, ok. Insolent, irrespectueux, bon, ok. Tiens, tiens, oh, tiens. Ça va être ma fave, du coup. De nouvelles personnes. Je le sens. Allons les accueillir. Moi, je les aime bien, là, les serpentards, là. C'est quoi, ça? Jess, hey. Jessica, par ici. Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir? C'est bon, je l'aime trop, je crois. Ouais, y a rien de scripté, donc il peut vraiment. Allez. Réponse de la France, non. Putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichu. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Ah, oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hop là. Ah, tu me trouves en dessous. Je fais juste Chris. Ce que ça m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con? C'est pas vrai. On dirait. Mais j'ai rien fait comme ça, effet papillon. Notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Mais quel connard! Je me demande. Quel connard! Rends-moi ça, gros débile. Débile, c'est vrai. Mais fier de l'être. Je le déteste. Cool. Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient. Leave Jessica alone! Leurs affaires. Ouais, j'évite de le faire, parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. On sait garder des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Oh, bébou. Quoi? Bon, et ferme. Et toi, tu vas mourir, hein. Désolé, si de faut te sauver, il y aura pas, ça va pas hésiter, gars. Oh, vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est beau. Hein. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. C'est vrai que c'est beau. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Emily, l'ex de Mike, intelligente, entreprenante et persuasive. Ça veut dire que c'est théoriquement celle qui est censée survivre, là, vu qu'elle est intelligente. Je pense pas que ça aurait été aussi joli.
Matt, le nouveau copain d'Emily, motivé, ambitieux et sportif. Matt, il va pouvoir nous faire ses meilleurs sprints, quoi. Il se fera manger le cul par un truc. Let's go. Et notre porteur, hein? Il est où? On dirait que c'est Maid. Il adore se gratter les couilles en soutif, hein? Oh, j'ai des frissons. On y est presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ça sera sûrement pas une fête comme les autres. Non mais les fesses, bien sûr. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ah oh putain, mec. Bon, on se rappelle, on déteste Mike. Hein, l'ex-Emily, débrouillard déterminé et persuasif. Attendez, c'est Jackie Emily, on vient de la voir, non? Hein, on déteste Mike, on déteste l'autre blondinet, je sais plus son nom. Le blond, hein, vu que avoir, ça ne jamais dire la blonde, on va dire le blond. C'est bon, ça dégage. Merci, Babzorkata, pour le super à Théora, merci beaucoup. Tu viens d'avoir, ouais, c'est ça. Chris. Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux? Putain, mec. J'ai failli te frapper. T'aurais dû! Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les chiens. Pas de violence, c'est les vacances! Faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Merci à Bulette pour le 21e mois de sub. Je le déteste. Je le hais. Oh, je le hais. J'avais dit, on veut que tout le monde survive, c'est mort. Chris et Mike, ça dégage. Michael, tu vas devoir t'y faire. Dis-lui! Emily et moi, on est ensemble et il n'y a rien à dire de plus. Dis-lui! Et je vais pas te le répéter. Est-ce qu'on se comprend bien? Eh ben, je pensais qu'on pouvait dépasser ça. Être pote, mais... Bon, d'accord. Mike. Non, non, non. Ça va aller, je vais continuer mon chemin. Continue ton chemin, là, Mike, dégage. Je vais me démerder par moi-même. À plus. Il a compris le message. Tu sais que t'es excitant quand tu fais ton mal dominant. Oh, merde. Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais... Tous les sacs. Pourquoi? C'est quelle actrice? Je vois sa tête. C'est une actrice chouette, non? Je l'ai vue dans un truc cool. C'est probablement Donald Renew. Emily. Dans Shameless, c'est elle? C'est toujours Donald Renew. Bon, c'est Donald Renew. Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. C'est pas je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Shameless, ouais. Je te laisse pas seule. Bah... Non, en vrai, je vais l'écouter. En vrai, je vais l'écouter. C'est bon, elle peut se protéger. Bon, d'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Superstore! Mais tu m'en dois une. C'est de là que... Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci. Elle est trop bien dans Superstore. C'est Cheyenne, c'est ça. C'est ça qui me buguait autant. Il est trop bien son rôle. Bah oui, oui, Josh, c'est cet acteur, c'est pour ça qu'on a... C'est Mr. Robot. Ashley, alors, celle qui kiffe Chris, studieuse, curieuse et honnête. J'imagine c'est la fave de pas mal de monde. On va voir. Ça se sent. Quoi qu'elle a le crush pour Chris. Faut y aller quand même. Merci Thorn Gognir pour le sub pour Vimin Tavalrandel, merci beaucoup. Ah, pardon. Je lisais le chat. Waouh, ouais.
Non, ça, il s'engueule. Quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Mais qu'est-ce que je lui déteste. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Mais non, ils sont plus ensemble. Ah, de leur rupture. Bon, ça a l'air de s'arrêter là. Ah putain. Bon. Je vais buter quelqu'un avant la fin de ce truc. C'est quoi? Le jeu, c'est du jumpscare? C'est ça, ils sont dit, note-moi, ouais, on sait pas faire peur avec une ambiance lourde, machin, on va juste faire des jumpscares, alors qu'en vrai, c'est juste un outil nul qui fait sursauter, mais qui veut pas vraiment peur. C'est ça? Désolé, je suis désolé, je vais pas on te faire peur. On sent, merde. Je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur, pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Bon, eh ben... C'est quoi, non, pourquoi les mecs, ils aiment juste faire peur, là? C'est quoi, c'est leur humour. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. C'est cassé, non. Je peux pas juste être honnête, juste dire, bah écoute, il se passe ça, au lieu de dire, eh vas-y, regarde pour foutre la merde. Ou mentir. Je vais me poser tout le temps, je vais être insupportable, hein, je vous avoue. C'est chiant. Bon, écoute, non, je vais les laisser. Je pense que c'est leur intimité. Non, c'est un peu cassé. C'est pas vraiment intéressant, quoi. Quoi? Enfin, c'est juste... Sérieux? Je parie que je pourrais trouver un ours en train de bouffer un renard ou un truc du genre. Ouais. Vas-y, essaie. Mais c'est bien parce que j'ai pas poussé en disant « Vas-y !» Merci Yunyun pour 18 mois de sub. Merci beaucoup. Ok. Ah! Putain de merde! Vraiment, Emily? Moi je lui fais confiance, je pense juste justement elle termine, elle calme les choses. Tu crois? Enfin, tu vois. Arrête, c'est jamais rien avec M. Ah. Hein? Je sais pas. Oh, fait chier. Merci BM La Flemme pour le seul profil de Valentine, merci à toi, merci beaucoup, merci Union pour 18 mois! Oui, il faut qu'ils discutent, hein. ça peut être clairement rien. Après, je peux comprendre que tu vois ton ex en train de faire un câlin à ton ex et qu'il t'a dit juste « ça fait chier ». C'est normal de... Voilà. Je comprends. Surtout quand ton ex, c'est Mike. Bah, ton livre, allez. C'est un mec qui a fait ça? T'as pas osé faire ça. Mets tes mains. Je vais les faire. Ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir. Les hommes. Les hommes. Ils vont tous mourir. Là où je peux les voir. Décernés. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au... J'aime trop Jess, ok, c'est bon. C'est bon, je l'aime trop, Jess. C'est bon. Bah, c'est j'en Sam. Sais rien, si tu présentes c'est pas ça Sam. Comme ça. Hey c'est Jess. Revko. Ah oh super. Tu vas le payer, tu sais ça. Où est-ce que tu I gotta get to sometime. Je me suis loupée. S'il touche l'oiseau, je te démonte quelqu'un. Y'a quelqu'un? Allez! Hé hey Mike! Boum, chacun! Ok, ouais, tu m'as eu. C'est bien joué. Mais laissez l'oiseau tranquille! Tu peux pas m'échapper, Michael. Tu sais que je te connais par cœur. Ouais, non? Ah non! Pourquoi ils veulent qu'on bute des oiseaux dans ce truc là? Genre c'est quoi? À quel moment? Je l'ai trouvé, Jess. Et puis quoi? Oh leur petite amourette! Dommage qu'on déteste Mike! Oh non, ça suffit pas! Tu vas finir par faire. Je t'ai eu! C'est fini! Bien fini!
Alors j'ai fini par terre ? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, vil Manon ? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale, là. Madame ? Oh ! Allez ! Oh, oh. Hop là ! Okay. Ok, toi tu vas être puni. Ah ! Mais comment ? Eh bien, j'ai une petite idée. Ouais ? Mais je garde ça pour plus tard. On devrait rentrer au chalet. Ouais. Excusez-moi, mais j'aime tellement pas mal que du coup ça me dérange beaucoup. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Ouais. Juste s'embrasser. Oh Jess, calme-toi. Bah, entre guillemets. Mais cela, il est nul. Je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. On dirait que t'es une barbe, c'est lourd. Ça fait... Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, docteur Colin. Comment allez-vous, hein? Oh, ça va. Je crois que la dernière... Ah, c'est sur une lampe comme ça que je me suis coupée. La lampe verte, là, vous avez vu, c'est ça. Et j'ai cassé en deux, ensuite j'ai plongé ma main dessus. Vous n'avez pas été tout à fait franc. Mais arrête de dire que je suis une gros mytho, c'est toi le mytho. Que j'exerce ce métier, ne pensez pas pouvoir me berner. C'est... Alors, spoiler. Elle marche cette scène Non, elle marche plus. Spoiler, c'est pas un bon psy. Hein. C'est pas un bon psy. Ok? Vraiment. Non. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Ah ouais, bah peut-être vous. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Ah ben les hommes, hein. C'est bon, y a pas trop d'hésitation. Oh bah les deux, hein. Je vous avoue que la noyade, je crois que c'est vraiment un des pires trucs. Bah aucun des deux. Je suis obligée. Bon, on va mettre les serpents, je sais pas, c'est trop mignon les petits rats. J'aime bien les deux, hein, mais bon. Bah les deux. Bah on va dire plus les flingues, on va dire. Je sais pas, si on coupe des oignons, on va pas couper des oignons avec un flingue. Ou alors c'est original. Aucun des deux, on va dire plutôt des cafards. Pas très qu'ils montent dessus. Oh, des épées en taille plus, j'ai pas trop peur des clowns moi. Le sang me dégoûte, j'ai peur des corbeaux. J'ai pas peur des corbeaux. Oh. Mais quel mauvais... Mais les hommes. Je vous ai fait peur. Mille excuses. Je vais te goumer. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Allez, je fais tout comme il faut. Plutôt des cafards. Ah, plutôt... Ouais, plutôt le sang. Bah, là, sur l'image, on veut dire...
plutôt des épouvantails, hein. Des épouvantails, ça fait vraiment un peu peur, je vais pas vous mentir. Non, du sang, les loups, j'aime bien. Ah non, plutôt le sang, mais en fait, j'ai pas vraiment peur du sang. J'ai l'impression qu'il m'a été à répétition pour dire que j'ai peur, mais... Voilà qui est intéressant. Sang ? Merci pour cette si grande application. Bah de rien. Comme si j'étais obligé. Les cafards, les épouvantails, les entrailles. Ouais, les entrailles un peu, ouais. Le mot entraille, j'avoue. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Mais en vrai, c'est pas des trucs dont j'ai vraiment peur, donc ça va. Je regrette. La session touche à sa fin. Ah bah non, juste. Merci, c'est le militia pour le super-opéra. Oh, laisse mec, merci beaucoup. Merci énormément. Il va chanter, là. Oh non. Ah, on a fait un épisode. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Ah, c'est en deux FPS, c'était juste une blague, Anna! Merci beaucoup, Deep Fuji, pour le Prime. Merci énormément. Oui, bon, bah oui, elles sont mortes, oui. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Ah, c'était le frère des... Ok. Merde. Eh ben, j'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum. L'effet papillon. Oh, il l'a dit. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais. 9h jusqu'à l'aube. Ça fait ça aussi. Alors Josh, le frère d'Anna, ben... compliqué, réfléchi et affectueux. D'accord. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle a grandi ici. Ouais, ça doit être vrai. Merci beaucoup Lortiva pour le Prime, merci énormément. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici? Je commence à plus capter. Bah, si t'as 1 million en trop, donne-moi et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles... Oh dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut. Salut Alec, voilà, c'est le nom avant. Ouais. plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. Ouais, y'a déjà un petit froid. Yo. Bah non, pas Comer. Si je peux le rendre un peu plus cool, je suis chaud. Ça va. Je veux dire, je sais que ça doit être vraiment dur sans tes soeurs. Arrête. Je voulais juste. Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme au bon vieux temps. Merde, saleté de truc. Merde. Bah oui. Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends une seconde, tu veux dire entrer par effraction? Tu peux essayer juste aussi d'attendre un petit peu que ça se dégèle, je sais pas, enfin... Ouais, tant que je te dénonce pas. Allez, je te suis l'artiste. Ils font trop peur. Ils font tous trop peur. Oui, puis ça va réussir, par exemple. Petite pisse. Ça résout tout, hein. Salut Chris. Troublé, il est troublé Chris. Je le sens. Ah mais attends, Ashley Chris, c'est un petit crush. Sauf que j'ai un peu froid et que cet endroit me donne la chair de poule. C'est bizarre d'être de retour ici, hein. Ouais. Ok. Donde está el totemo? Totemo. Je veux bien des totems, moi. J'aime bien savoir ce qui va m'arriver dans la gueule pour me poursuivre tout le monde. Ashley était carrément canon. Principalement les hommes. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec... Ok, donc il y a un triangle amoureux. Dit de manière très douce. Ok, donc Josh il aime bien Ashley, Ashley aime bien Chris et Chris on sait pas trop.
tu vois. Ben ouais, carrément, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Hey, sois un bon type là, Chris. Calme, on veut t'apprécier. Si tu te la fais pas, peut-être que... Mais Josh! Bon, tu veux bien arrêter. Relax. Je vérifiais seulement si tout marchait correctement là en bas. Ouais. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques. Oui. Toi et Ashley, enfin seuls. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. J'ai pas envie de lui donner le vrai. Après, peut-être qu'il aime bien. Mais je veux pas qu'il dise... Écoute, non, je lui donnerai pas la... C'est horrible de devoir réagir dans des discussions pareilles. T'as peut-être raison. T'es un chasseur, mec, sans peur, sans pitié. Elle va même pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est bon. C'est pour qu'il se taise. C'est pour qu'il se taise. Oui, oui, t'es super. Allez, c'est bon, ça dégage. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux? Et qui a dit que j'avais un plan? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as quatre jolies filles. Merci beaucoup, Space Mango, pour le 15e mois de ça. Merci beaucoup. T'es un chasseur. C'est pas mieux si tu veux coucher. Oh, ça coucher. Suffit, personne Josh! Là, il y avait une hache, il n'y a pas de hache. Le râtelier. Putain, j'ai loupé, déjà loupé des indices. Hein. Oh, merde, j'ai presque plus de batterie. Oh, j'ai oublié d'éteindre le GPS, merde. Eh bah dis donc, on a affaire à un intello, bien joué. Je suis consterné. Merci Benny pour le 7e mois, merci beaucoup. Hop là. Il s'est juste lancé de l'autre côté, qui fait ça? Mais il mérite de mourir, mais très vite en fait. Enfin, je suis désolée. Il est bête. T'es bête, Chris, Josh, machin, là. Vous êtes tous bêtes. Je vais bien. Oh. Ah. J'aurais dû mieux écouter pendant... Très bonne hygiène dentaire, cependant. Quoi? En sport? Tu sais où il faut grimper à la corde? Wow. J'ai fait ça, moi? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Mais viens avec moi. Viens avec moi, en fait, c'est ta maison. C'est bon, être humide. Je viens d'avoir une super idée. Hein? Ouais. Et c'est quoi? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser pour essayer de faire peur à quelqu'un en utilisant un chalumeau? Et je crois que j'ai rarement vu des gens qui ont un instinct de survie aussi bas. C'est fou. Utilisé avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider? C'est un vaporisateur. Ah ouais, j'ai compris. Un lance-flamme. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais, ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors tu fais ça. Non. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir? Non, mais j'y vais. Ouvrez la porte. Et bon courage. La porte est là en bois? En fait, The Quarry, ça va, c'est ça, hein? En vrai? En vrai, ils étaient super dans The Quarry, hein? Quelle couleur? Jaune. Non, perte. Bah oui. Rouge. C'était marron. Bah ouais, mais il faut pas utiliser ce truc en fait.
Ouais, non. Mais il tira. Il y a rien là. Là, il y a quelque chose. Ok, allons-y. Non mais c'est drôle, moi ça me fait rire qu'il soit bête, hein, je vous avoue. J'ai peur de louper des trucs. J'ai envie de le dire tout le temps, je dirais tout le temps Bagheera Jones. Je suis contente, t'allais super bien, Pépé, moi aussi, ça va super bien. Merci pour tes 21e mois. Cool, des gens. Avec deux personnes décédées dessus. Hein ? C'était quoi ce truc ? Une porte qui se ferme, t'inquiète. Y'a rien ? Il y avait des trucs là-bas. Bon, qui pète mes vitres là ? Ça coûte cher. C'est un reflet. Ah ouais, j'ai cru que c'était un peu. Pourquoi ça murmure dans mes oreilles ? Y'a aucune raison, y'a aucune raison, le sound design là, y'a aucune raison. Il est dans une maison vide en fait. Ah, le chalet, incroyable. Ah ouais, ils ont des moyens. Bah voilà. C'est super ça. Je viens de faire un tour là, non ? Mais il y avait une caméra là-dessus. Ça, on sait ça. Mais ça, c'est la pire idée, hein. Merde, c'est quoi ce bordel ? Le dogo, le chien, le petit chien. Bonjour, le petit chien. Ah, parfait. Il en a rien à foutre. On est en train de geler sur place. Bah, j'ai pas eu le temps de faire la tour de toute la maison. Non, fais pas ça. Bon, oui, il a fait ça. Merci, 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 merci. Je serai là chaque semaine. Oh, le petit chien. Le chien, le petit chien. Merde, ce truc m'a fait flipper. Merci, Georgia, pour le 26e mois. Merci beaucoup. C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Le petit chien. T'inquiète pas, petit. Un de ces jours, tu seras grand. Les gloutons. Bah oui, c'est un glouton. Il ressemble à un dogo, le petit chien. Home sweet home. J'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment... Oh, l'endroit est trop stylé par contre. Si on se les gèle un peu ici. Bon bah je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police ? Ça a été calme ici dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête ? Salut ! Salut ! L'énergie de Jess, hein. L'énergie de Jess, je l'aime trop. C'est vraiment la best. Salut ! Salut everybody ! Vas-y, entre. Viens te relaxer, prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux de toute façon, hein ? Waouh ! Doucement, cow-boy.
Dis direct, hein. Qu'est-ce que tu faisais avec M sur le chemin? Quoi? Je vous ai vu. Avec le télescope. Eh ben, on s'est croisés. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, alors je l'ai prise dans mes bras. C'est interdit. Oh, bah, honnête. Honnête. Ouais. Bon. Désolé, la journée a été longue et j'ai réagi de façon excessive. Non, c'est rien. T'inquiète pas. T'es bonne vibe. Non, alors par contre, Mike, avec juste ça, n'a pas de bonne vibe hein, pour l'instant. Ah ouais, carrément. J'aime bien Matt, je crois. Matt, ça va être un peu notre espoir masculin dans l'équipe. Oh putain, c'est trop dégueu. Ah, attends, est-ce que t'essayes d'avaler sa langue là? M. Ah, non, sérieux. Oh, laisse-lui tranquille. Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Pardon? T'as dit quelque chose? Vas-y, Jess, dis-lui. T'étais trop occupée à faire ta... Dis-lui, Jess! Tu vois, on dirait que tu es aigrie de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau? Bravo, jolie vache. Dis-lui! T'es très malin. Enfin, Jess, du coup. La reine du bal à une vache. M, allez. Tu la fermes, Matt. Ouf. Ça va, t'emmêle pas, bouffon. Eh, fais gaffe. Oh, Matt, qu'a rien demandé. Le faire taire. Alors comme ça, personne ne peut jouer avec tes jouets. Putain, mais quelle salope. Ouais, ça va bien se passer le week-end. Hein. Je me fous de ce que tu penses. Franchement, c'est moi, chouette. J'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galéreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien te voir ça raconter avec son cerveau là. On a tous les atouts que Dame Nature peut donner. Oh, chérie. Moi, je suis Team Jess. Un pauvre morceau de pain rassis avec ses fesses. Mais t'es sérieuse? T'appelles ça une astuce? C'était pas dingue, même. Cette garce prend du crack ou quoi? Emily, arrête! Ça dépasse les bornes. Vous n'avez aucune raison de vous battre. Bah oui, M. Dis-nous, pourquoi tu veux te battre pour ton ex-copain, hein? Arrêtez! C'est pas pour ça qu'on est venu ici, ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause. Et ils sont pas potes, mais ils ont jamais été potes, cette équipe. Ils ont jamais été amis, en fait. Déjà avant? Là, toujours pas. Qu'est-ce qui... Faut arrêter de lutter. Non. Non. Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais. Ouais, d'accord. Mais allumez ces putains de lumières. Tant qu'elle, elle n'y est pas. Allez, Jess, dis-lui. C'est au bout du chemin. Jess, la baisse. Content que ce soit fini. Ouais. Alors Josh... Josh, c'est une connaisse au début. Tu nous l'allumes, ça fait? Il est où mon sac? Hein? Mon sac, le petit sac. Le sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odeo. Matt, tu m'écoutes? Mais si, tu t'en souviens pas? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos. Et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh ben... Elle me posait des questions sur ma veste en cuir. Ouais, c'est ça. Y'a rien. Et si quelqu'un vous parle comme ça, partez, hein. Partez, hein. Ça va pas, là. Ils pensent qu'ils s'aiment. Ils s'aiment pas, hein. Hein? Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M. Peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac? Alors? Ah oh, putain, mais ils ont envie de tous les... Putain, t'as dû le laisser. J'en enlève mon câble. Comment ça? Le niveau de la batterie est faible. Allez, je remets mon câble. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera. Ouais, beaucoup même. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça va, Ken. Et la baise, ça résout pas tout, hein. Ça résout pas tout, la baise. Non. Ok. Sam, notre douceur, comment tu vas? Y'a une caméra sur le bain, on va pas prendre de bain. Tous ceux qui disent si, je m'inquiète un peu pour vos relations, mais enfin bref, c'est pas grave. Vivez votre truc. Ça me va. Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour.
le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. Oh, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Hé, hey, les stars du porno. Vous allez avoir besoin de ça. Stars du porno. Je paierai cher pour voir ça. Charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous avez trouvé un moyen de vous amuser. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Alors, ma petite sœur du porno, ça va ou quoi? D'accord. Ça dit quoi, là? Hein? Je crois que Josh est ça touche la nuit ou quoi? La baise. Okay. C'est ça, les fesses, là. Avec nous les fions et tout, baiser. Non. J'ai pas écouté. Bon alors, on se lèche les boules ou quoi? La baise, start de porno, il nous a dit. C'est pour bien vous montrer que moi je baise un maximum hein. Ah oui, beaucoup, tout, dès que je peux, je peux souvent. C'est pas tout. Hé, hey, joli cœur, une photo? D'accord, pourquoi pas. Ok. Allez, ça dégage. Bien tenté. C'est moi qui prendrai la prochaine, d'accord? Ok. Mais tu sais, c'est pas vraiment facile de tenir ce truc à la fois à l'endroit et à l'envers. Non, okay, mais c'est juste qu'ils sont pas sapios. C'est pas des sapios. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont pas envie de ken des cerveaux, bon. Voilà, la vie, hein. Tu sais quoi, les couilles? T'es une star du porno, on m'a dit. Allez, ça part. Et moi, je parle de baise. J'adore la baise. Il fait trop froid ici. Baise. Comment tu vas régler ça? Chatte. J'ai quelques idées en tête. Cul. Bite dans vagin. Et pas que. Moi j'aime la baisse de manière intrusive. C'est pas le mot. Inclusive. On s'entend. Si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous, c'est qu'Emily est aussi bête qu'elle en a l'air. Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours. Merci Antoine pour le 8e mois de T3. C'était le meilleur moment pour le dire. C'était vraiment... Pardon, Revka. Sois sympa avec M. Emily, t'es une garce. Non, c'est une garce. C'était une garce, là. Pour le coup, c'est une garce. À mon avis, elle est jalouse. Oh là Ah, vraiment? Hyper jalouse. Quelle conne. Vous êtes tous vraiment potes, hein. C'est super de voir une équipe de potes. Qui baisse beaucoup. Ah, je crois que ce truc a besoin d'énergie. Bizarre. Josh a pas parlé d'un générateur. Je vais mettre l'énergie, je vais mettre ma bite dedans, ça va donner de l'énergie, hein, parce que je baisse beaucoup, comme un métronome. On m'appelle le marteau piqueur. Juste, moi c'est Mike. Oh, un totem. Mike, le générateur. Non, le marteau piqueur, okay, t'as rien compris. Bon. Rouge. Ah oui, quand même. Ah oui, le danger, il vient des clowns, quoi. Excusez-moi, laissez-moi voir ça. Ah oui. Attendez encore une fois. Ah ouais, non, c'est solide. Ce sera sûrement une blague d'un pote, vous allez voir. Hey, Mike. Très bonne blague. Bon, ils ont l'air d'avoir beaucoup d'humour. Parfait. Voyons voir ça. Bim. Bien joué, Mikey. Et le mec, il voit le générateur et là, chla 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 chla. Pardon. Je vous avoue, ça ne me fait plus beaucoup d'effet de me faire ce jeu. C'était pas un clown.
Hop là. Que la porte s'ouvre. J'allais faire une blague et là c'était trop. Pour vous dire, imaginez, si ouais, je pense que là c'était vraiment trop. C'est génial. Oh ouais, je suis le DJ. Pardon. T'es excité? T'en as pas l'air. Je suis trop excité là. Ah, les stars du porno! J'adore le porno, la pornographie, la baisse, la bite au cul! La bite au cul! La bite dans un gros, gros cul! C'est quoi ça? On peut peut-être se poser une question là? Le ruban de la police. De Anna Hess. Ils auraient pu l'enlever. En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Bah, qu'elle soit maintenant, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Pardon, mais mettez des écouteurs. C'est une belle façon de voir les choses. Pardon, c'est bon, et on peut plus dire bite au cul. Bite au cul, 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 bite au cul. Il y a des parents dans le chat, bite au cul. Pardon. Je suis désolée. Mais ce jeu... Pardon, pardon. Je me calme. Ça a crié un petit peu, non? T'as entendu? J'ai... entendu un truc. Ouais. Du coup, on continue quoi. On va pas voir nos potes en disant. En fait, il y a eu un gros hurlement dans la forêt. On s'est dit, bah, et la baise attendra. Merde. Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Emily. Oh bah, écoute, si tu meurs, tu meurs, hein, Jess. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Merde. On est des aventuriers. Je suis sûre qu'on trouvera un autre chemin. Dans Ils vont dans une mine là. Jess. Hey, Jessica! Ouais, ça va. Tu connais la position du cinquième étage? Bordel, tu m'as foutu une de citrouille. Tu crois que j'ai pas eu peur, moi? Et tu t'es pas blessé au moins? À ce que je vois, j'ai toujours mes sept membres sur moi. Ouais. Tu peux sortir? Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout ici. C'est ton téléphone. Bon, en vrai, je viens, hein. Quoique, je peux t'aider à monter après. Ok, Jess, il y a un chariot. Je pense que si tu pouvais le pousser, tu pourrais sortir. Ok. Ok, laisse-moi juste essayer. Bon, bah, je vais venir, C'est hein. bien trop lourd. Non. Ah, je peux pas y... Introduis-toi. Chérie, tu vois cette petite ouverture entre le chariot et le mur? La minuscule ouverture? Ouais, tu peux peut-être te... Tu vois, je sais pas, te faufiler à l'intérieur. J'apprécie la confiance que tu places en mon physique, mais je pense pas que les jumeaux passeront. Bon, Jess. À cause des... Ok. Je vois. Bah vas-y Mike, descends. Alors, soit tu m'envoies cette lumière, soit tu agis en héros et tu sautes pour me prêter main forte. C'est cute. Je parle de séquette. Ok, bouge pas. J'arrive. Tu ferais bien de te dépêcher avant qu'un autre malabar n'arrive. Bah alors, il y avait quelqu'un derrière, je ne l'ai pas vu, bizarre. Hé, hey, beau gosse. Tu m'aides à déplacer ce chariot? Ok. Aide-moi à le bouger, aide-moi à le bouger. Ok. Hop là. Quand je nous imaginais gémir à l'unisson, c'est pas vraiment à ça. Impayable ce Mike. Il fait tout le temps des blagues sur la baise.
impayable. Hein. Ah, mais on s'en remet pas. Franchement, Mike. Ah ouais, non. Et s'il y a un mot sur le cul, alors là... Attention, je passe en mode chariot. Oh, putain de merde. Oh, bon sang, est-ce que ça va? Ah, ouais. Ouais, ça va. Bagheera Jones, j'ai envie de le dire tout le temps. Je dirais tout le temps Bagheera Jones. Bordel. Cet endroit me donne des frissons. Ah, il m'entend. Dans le mauvais sens du terme. Merci, Salocine, pour le zinc et moi, ça, merci beaucoup. Garde ça pour la cabane, mon gars. Pourquoi elle part? Jess? Jess? Oh. Oups là! Tu vas bien? Oui. C'est pas passé loin. Ouais, je pense pas que cet endroit soit aux normes. Ouais, ok. Il y a des sports, je ferai gaffe, moi, les refs. Qu'il est temps de partir. Bah, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, ma chère Jess. Il y a un baby-foot, viens, on joue. Ah, c'est pas du tout un baby-foot. Après, pourquoi il y aura un baby-foot là, je sais pas. C'est une vieille urine à retaper. Elle va y prendre une grosse poutre, là. Putain, arrêtez. Moi, je peux, vous avez pas le droit. Grosse poutre. Et tu vas y prendre une grosse poutre, Jess? Je dis ça, je suis mal, tu vas devoir parler de baisse. C'est marrant. La poutre, c'est ma bite. Tu peux m'enlever ma poutre si tu veux. Bon. Il y a toujours un mec qui nous suit, mais bon, à voir. Ça, c'est tranquille. Il nous suit très lentement. C'est The Follow. It follows. Pas The Follow. Ça, c'est vous, les The Follow. J'espère que vous avez tous follow un max. Bien, quand Josh a dit cabane, j'ai pensé Robinson Crusoe. Attends de voir la chambre de Robinson. Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage? Et j'en peux plus. J'en peux plus. Okay, garde-en pour... J'en peux plus. Un télescope. Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cape. Waouh. C'est quoi, c'est allumé? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Attention, est-ce qu'on va faire le coup de Mike qui ne la croit pas? Ok, voyons ça. Mais comment ça? Comment ça il est serein là? Il vient de voir un gros œil, non? Il dit rien. T'as bu trop de lait de poule ou quoi? Voilà. Y'a que nous par ici. Ouais, t'as raison. Non, Jess, putain! Tu sais ce que t'as vu? C'est loin en plus la cabane là. Je pense qu'il a pas vu l'œil, c'est nous. C'était pour nous faire peur à nous, je pense. Non, parce que sinon, il vit bien sa vie, quoi. Il veut tellement Ken que, bon, une mort certaine, ça va. Jump who? C'est ça. Oh, bonjour. Attention à toi, cervelle d'oiseau. On fait une blague. Je joue le jeu, c'est la saison des amours. Waouh, coquin. Ouais. Putain, je l'ai motivé, je l'ai motivé à parler de cul, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai eu peur.
Comment il a dit qu'il avait eu peur? Ah, je sens que cet endroit, il va se passer un truc à un moment ici. Bizarre. Hein. J'ai un problème avec les scrims inutiles. Alors ça... Oh, bon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment? Quoi? Je pensais pas que t'étais genre verre à moitié vide. T'as une meilleure idée? Recule, sale pessimiste. Ah, ouh. Ah non, mais c'est sûr, elle est impressionnante, hein. Moi, je dirais... Franchement, je pense pas que j'aurais pensé. Si vous m'avez... Non, je pense pas. Franchement... Frimeuse. Hé, hey, Mike. Je crois que t'as quelque chose sur la figure. J'espère qu'il y a un caillou dans ce boulonnage. Oh, okay. Il recommence. Si c'est ça que tu veux... Attends, bah va de l'autre côté, va te... Jess. Merci beaucoup, chauffe serviette pour le troisième mois de ça, merci à toi, merci beaucoup. Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît? Laissez-la prendre un bain, la petite femme. En fait, j'entrais justement dans mon bain. Avec mes collants et tout. Oh. Bah, surtout, hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. Pas du tout, alors pas du tout dans son bain. Il le fait couler. C'est pas vrai. D'accord, Josh, voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Est-ce qu'il y a des trucs à voir? Attendez. Frasure 3 est tendancieuse. Oh non, mais écoutez, on va s'y faire, hein. On va s'y faire, on va rentrer ce soir, on est tous chez nous. On va parler de bites et voilà quoi. Vraiment. Quoi, ça? Vous avez tous changé vos mots de passe avec bites au cul et puis on va s'y faire. Non, mais bon, voilà quoi. Il veut pas allumer la lumière dans ce chalet, genre. Oh. Ah, j'entendais pas. Elle est trop bien, sa chambre, par contre. Excusez-moi, mais elle est trop stylée. Merci à LT Studio pour le 25e mois de sub. Chère Anna, je serais ravie que tu puisses venir à ma super fête à 19h en 2013. La casa de Mike, ma maison. C'est pour me montrer qu'ils étaient potes. Ça ressemble vraiment à Mike. J'arrive, on va parler de bits. Merci à Altier pour les 25 mois. Super ambiance. Oui, bah écoutez, c'est pas moi qui fais l'ambiance du jeu, hein. Merde. John D. Smith, artiste tatoueur. Ah, là, il y avait quelque chose encore. Il y a des papillons bizarres. Anna, Josh et Beth, vous êtes invités à la fête d'Halloween de Sam. D'exemple obligatoire. Il peut pas s'envoyer un message. Je crois que c'est mignon, hein, les petites cartes. Ouais. Ok, je peux passer. C'était en 2013, là c'est en 2014. Allez, ça va lui prendre combien de temps? Moi je parie sur les couvertures pour tout le monde.
mec, on croit en toi. Ouais, allez, wouhou! Allez, Josh! Bizarre! J'arrive. Des énormes... Mais c'est en 2013, les gens. C'est quoi? Okay. Merci beaucoup, Nabev et Vivico, pour le 5e mois de sub. Merci beaucoup. Quoi? Ok, parce que je suis à peu près sûr que dans cette bigogue de folie, on avait un plateau de spiritisme. Incroyable. Oh, pyrisé. Spiritisme. Ouais, c'est marrant. C'est des conneries, mec. Ça marche jamais, je te dis que ouais, c'est... Ouais, déjà 19h. On le faisait tout le temps. Enfin... Moi... Hey, Josh, on n'a pas d'eau chaude. C'est genre une méga priorité, non? Ouais, je vais allumer... la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon, alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. J'étais dans une demi-heure. Ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Ça va, ça va. Ça sera, je pense, en... On prend deux morceaux de toute façon. Si tu veux, bien. On se fera un gros stream pour le continuer et le finir. Alors, ça te dit une balade? Let's go le sous-sol, ça fait plaisir. Allez, ça part. Je pense que de toute façon, notre cerveau, il peut pas tenir plus de 2 heures sur ce truc. Je veux dire, ça parle que de cul. C'est trop chiant. Oui, je le fais à cause de Squeezie. Moi, si je fais tout pareil que Squeezie, j'espère que ça marche. N'hésitez pas à me suivre si vous aimez Squeezie. Et c'est vrai, hein, si vous êtes des si vous aimez Squeezie, suivez-moi. Je fais le même contenu, je fais exprès. Ok ? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Oh, ils tout pareil, la même chose. Tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancée. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison. Oh ouais, je pense que c'est une bonne idée, ça. Leur faire peur. Avoir ce truc du groupe, hein, bon. Josh, c'est Zazer, Absor, Anna et Beth. Vous avez l'air de vous éclater. On m'attend comme ça combien de temps? Ça fait très peur, hein, ça. Tu sais, Sam... Oui, Josh? Je voulais seulement me dire que... Ouh! Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année, et puis que... toi, tu sois là, Sam. Josh, on est là pour toi. Vraiment, peu importe comment. Je suis le monsieur robot. On va tous surmonter ça, ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Oui, t'inquiète. T'es capté, on va passer un chouette moment. Ça, pour l'instant, ça commence super bien. Vraiment, le groupe, ils s'entendent de fou. Tu marches. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil esprit. Oh, éclate-toi la gueule, ça me fait beaucoup rire. Désolé de te ramener à la dure réalité. J'ai quelque chose à te dire, Sam. Maman. Ooh, I just killed a man. C'est bien, il est. Donne-moi il... juste un peu d'eau chaude. Bien accordé l'autotune. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Ouais, c'est vrai que ça craint par ici. Ouais. Mamma mia. Faut rester toute seule. Merci coucou pour le sauver faire à Nabitoku. Merci énormément. Ah oui, prends ça. Garde ça avec toi, Sam. Merci beaucoup, Coralie, pour ton 4e mois de summer. Merci beaucoup. Ça doit pas être facile de jouer au baseball avec toute cette neige.
Mais non, pas en hiver. Non, c'était pas en hiver. On venait là en été et on... Je te jure, c'était pas en hiver, Sam. Franchement, maman, pas en hiver. Vraiment, Sam. Mes sœurs, il y avait un bon esprit de compétition et on s'affrontait là-bas, sur la pelouse. Merci à Xori pour le prime, merci énormément. J'en sais rien. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Hein, Sam? Bref, je suis supposé réparer ce vieux machin, non? Merci, have coffee please pour le prime. Merci énormément. Tiens, tu peux tenir ça? C'était quoi? De quoi tu parles? Je sais pas, mais c'est fort, hein. De quoi tu parles? Éclat par ici, que je puisse voir ce que je... Mais Josh, il va falloir faire un petit rendez-vous chez le promptologue, c'est pas la même chose, mais on s'est compris. Hé, pardon. Est-ce que tu peux tenir la lampe pour que je puisse voir? Tu veux bien, s'il te plaît? L'ORL, c'est la même chose. J'ai envie de bouger, hein, vous me connaissez. Oh, c'est long. Joli. Joli, merci. Ah oui, écoute. Bon entraînement. Pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Un trou, c'est un trou. Pardon. Pardon, je devrais pas rire à ça. Je suis fatiguée. T'inquiète pas, c'est... Essaie encore. Voilà. Et ben voilà. Ok. Bien joué. J'espère que ça compte pas pour la suite. Oh Dieu. C'est bon, personne n'a vu. À part lui, personne n'a vu, donc ça va. Le pire, c'est ça. C'était quoi ça? Ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Oh, arrête. Je fais mon Josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Excusez-moi. Faut que j'aille. Bah, Lyon, j'ai un tour, on est sympa. Oh putain. Bouge pas. Quoi? Il y a un truc derrière toi. C'est ça. Josh. Sérieusement. Il y a un truc derrière toi. Je t'ai... D'accord. Littéralement un chat Twitch. Littéralement un chat Twitch ce qu'elle vient de faire. Hein. Parce que vous croyez original, hein. Moi je réponds pas, mais je vous vois. Hein. Votre humour, c'est juste dire « Eh, la porte est ouverte, eh, j'ai vu quelqu'un. » Littéralement, je le vois, je peux vous le dire. Hein. Et c'est, je vous le dis, vous êtes pas le seul quand vous le faites. Hein. Voilà, pour vous dire. 15-0. Grand trésor. Quoi? Non, attends, où est-ce que tu l'as eu ton premier point? Ça commence pas à 30? Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branché ping-pong. Mais attends, t'as entendu comme moi là? Josh. Quoi? Le rythme est étrangement régulier. C'est non, non. Attendez, attendez. Non, ok, question. Pardon. Bah, on devrait jeter un œil, on va pas. Je vais pas y aller toute seule. Peut-être qu'on devrait jeter un œil. Pourquoi? Je sais pas, et si c'était un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière? Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. Ok. Moi, tous les soirs, dès qu'il y a un bruit qui gratte ma fenêtre, c'est bon, je vais mourir. C'est quelqu'un, c'est un pote, ça doit être Chris. C'est Chris, non? Oui, c'est Chris. C'est Omat, mais je pense que c'est Chris.
Il est très lent, non? Quoi? Mais c'est quoi? Vous vous êtes fait? Vous avez, t'as la chance, Chris, qu'on n'ait pas pris notre batte avec nous. Hein. Je serais juste mort. Bien joué, celle-là était bien. Pourquoi tu... t'as fait ça? Quoi? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'étais obligé de profiter de la situation. Non, en fait, non, à aucun moment t'es obligé de faire ça. Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, mais j'aurais aimé. C'était trop fort. Je suis contente de pas lui avoir fait son high five. Que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, j'ai rien dit sur tes blagues. J'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah, putain, t'étais terrorisé. Allez, admets-le. Alors là, pas du tout. Mytho, tu t'es complètement pissé dessus. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes? J'ai trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. Bien joué, Ashley Dulu. D'accord. Et t'as trouvé le bidule? Je parle de ta bite. Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi? Non, j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Allez, okay, Sam, va prendre ton bain, là. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fou. Ok. Allô, je te parle, Matt. Tu viens avec moi chercher mon sac? Ouais. En fait, ils sont tous tellement détestables que comment je vais faire pour les garder en vie, en fait. Ah, petite OGM, est-ce qu'on voit Emily mourir? Je suis chaud. Il veut pas. Ouais. Et, c'est-à-dire? Non, mais je fais le truc, hein. Non. Ah voilà. Jaune, conseil. Ne mettez pas vos mains dans des pièges à loups. Ok. Je retiens. Franchement, ils ok ça. Je crois que c'est le dernier totem de la... Ah non, il aurait... Ah non, ok, il peut y en avoir plusieurs. Ah ok. Oui, bon, on n'a pas besoin de le remettre. Bon, pas bête. Non, on retient. Ne mets pas tes doigts dans la porte. Tu pourrais la coincer. Nous y sommes, madame. Oh, merci, monsieur. Hey, Amy? Ouais. Pardon. Bon, calmons les choses. Je crois qu'on devrait commencer à profiter du week-end maintenant. Allez, bon type, Matt. On efface tout. Oh? Pas de dispute, ni de Mike ou de Jess, juste toi et moi qui profitons ensemble de la nature. Par contre, ils sont vraiment pas assez habillés pour ce temps, ça me rend ouf. Exactement. Et ça reparle le cul! Bien. Le cul! C'est la grosse bite à Dudule, je la... Y'a rien à voir. Poudre au cul. Putain. Balibalo dans son berceau, bande déjà comme un taureau. Balibalo. Oh. Okay. Un éclairage automatique, non? Alerte bouffe.
Oui. Hé, hey, petite tête, viens par là. C'est peut-être pas une bonne idée de quitter le chemin. Fais pas ta fillette, viens. Alors Emilio, on est misogyne en plus. Allez. T'as bien raison. Fais-toi plaisir. Matt. Ah. Oula, ça galère un peu. Alors la PS5. Ouais. Merci de m'aider pour mon sac. Je sais que je suis pas toujours facile à vivre. C'est toi le gros sac. No problemo, bébé. Mais rappelle-toi bien que je suis plus qu'un porteur de bagages extrêmement sexy, musclé et viril. Tu comptes me le prouver? Je pense à la carte de capture, toute ouais. La journée. Oh, chelou, quoi avant. Toute la journée. Attends, j'ai pas écouté, je crois que tant mieux. Quoi? Bah, toute la journée. Je crois que c'est bien que j'ai pas écouté. J'essayais juste d'être sexy. Coup de pression. Alors qu'il se passe rien. Parler de charpente. Ça parlait de poutre, ok. Cool. Ce paysage est magnifique. Et vous avez pas froid en vrai? Je suis désolée, hein, mais genre, il a l'air de faire froid. Et c'est tellement cool d'être avec toi, monsieur muscle. Ah, j'ai pas que des muscles. J'ai aussi un cerveau, tu sais. Ah, il est sapio, Matt. C'est pour être avec moi. Il veut qu'un des cerveaux, Matt. T'as déjà fait ça à l'extérieur? Pas baiser du cerveau, Matt. Tu sers de quoi? Ma caisse. J'aime bien ta caisse. Spacieuse. C'est pas assez spacieux ici? Tu sais quoi? Peut-être qu'on peut trouver un meilleur coin. Quand tu dis coin, tu veux parler du coin G? Il y a plein d'autres endroits ici. J'ai déjà commencé à préparer le terrain. Comme un gentleman. Allez, viens, on va chercher. Le coin G. Il y a quoi de si important dans ce sac? Oh, c'est juste mes culottes. Celles en dentelle. Allez, qui veut qui a une qui va. Tu veux pas que je les essaie devant toi? De toute façon, je vais les arracher. Peut-être que moi, je veux les porter. Ça me rend du mal. J'adore baiser. Vive la baise. Mettre des bites à des endroits. Les bites, les zizis, les babins et tout ce qui va autour, genre les tétons. Les tétons. Mais dis ça sur YouTube et t'as oublié. C'est pas grave. Regarde un peu la bouche de ce truc. Pas capable de mettre ta main dedans. Vaudrait mieux... La mettre non juste ici. C'est bon... C'est bon, elle a fait là une blague, Emily. Ils font tous des blagues, c'est leur humour. Emily. Et je la sauve, et comme ça, elle croira que je l'aime. Je t'ai eu, grosse... Faut peut-être la baiser. T'es ridicule. Baiser, baiser. Oh, ça va. C'était quoi? Je sais pas... Ah, ils ont entendu le même cri. Du coup, on a la temporalité, pas mal. Ça... C'est les tuyaux qui frappent. C'est les vieilles maisons, tu sais. Comment ça, on n'est pas dans une maison? Nous y sommes, madame. Merci. Eh ben, très impressionnant. Oh, merci beaucoup, The Maille est fluide pour le 16e mois de somme. Merci énormément, merci beaucoup. C'est un crapaud. Ou alors une poule, mais bien malade quand même.
Bah alors, ça c'est nous faire peur, elle m'aurait rien à foudre. Tant que je peux baiser. Bah... C'est quoi ça? Oui, bonne réaction quand même. C'est un avertissement? Il n'était pas là avant. Il n'était pas là avant. C'est un mot? Ils s'en foutent qu'il y ait une tête de cochon là? Wow. Bon retour. Ça doit être Chris. Ou Josh. Ils essayent toujours de nous faire peur. Bah c'est ouais, en vrai. Cool, en vrai, je comprends que tu penses comme ça. J'aime pas ça du tout. Moi non plus. Oh! Matt! Qu'est-ce qui se passe? Putain, qui a bien pu faire ça? Tu sais, j'en ai plus grand chose à foutre de mes culottes là tout de suite. J'ai plutôt envie qu'on se casse. Bon, hé, hey, bon choix, Emily. Pour une fois, bon choix. Ah! Parfait. Oh, un cœur qui bat! Super! Super! C'est parce que c'est mes angoisses. Oh, ah bah oui, il y a des trucs qui me font peur. Les gens qui ont peur de l'échec. Bah oui. De l'opinion des autres. C'est gentil de repenser à moi. Pense à Dr. Colin. Vous aussi, ça vous effraie. De quoi? Oh non, il y a un animal décédé. De quoi? De quoi? Ce que les gens pensent de nous? C'est un très bon accessoire, oui. C'est ça? Un petit instant, monsieur, je lis mon chat. Bon, le chat dans ma tête, oui. Enfin, comment ça, c'est bizarre. Écoutez, vous avez un cœur qui bat dans un bocal, monsieur, vous n'avez rien à dire. J'ai que les opinions des autres, bah oui, oui, ça me fait un bon. Tiens, Do. Pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette phobie? C'est-à-dire, tu dis je joue mal, là? Tu dis je joue mal? Il vient de dire que je jouais mal, là? Et le toupet! Le toupet de Dr. Colin! Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers... Eh, bien joué, Zerega, Dr. Hill, t'as bien joué, ça! Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Ouais, pas de problème. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux? La loyauté ou la franchise? Oh, la loyauté, je dirais. Donc, vous seriez prêt à mentir par loyauté envers un ami, bien? 100%. Et si je vous dis loyauté ou charité? Loyauté. Vous préférez vous occuper de vos amis? Y a pas l'option, le sexe. Plutôt que des plus démunis. Parce que ça me fait peur, là, monsieur, je vous avoue. Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. C'est tout? C'est... Il avait deux questions, là? Oh, regardez, maintenant, il y a des petits crochets, et puis son bureau, il fait peur. Non, stop! Pause! Parfait. Ça fera 80 balles. Si tu t'occupes plus de tes amis, ouais bah... Mais après là c'est pas mes potes hein. Là je peux vous dire c'est pas mes potes hein. On s'en est rendu compte quoi.